Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et une nouvelle fois sur les cartes de la promo McDo 2021. Alors malheureusement, aujourd'hui, j'ai récupéré des nouveaux boosters, donc j'en ai 4, et on m'a dit que c'était la fin de cette promo McDo. C'est une promo qu'ils ont affiché 50 cartes, il n'y en a que 25 dedans, mais 25 en version normale, comme celle-là par exemple, et 25 en version holographique. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il parlait de 50 cartes. A priori, une personne travaillant au McDo m'a dit qu'il n'y aurait pas de suite immédiate, et il n'avait pas de news, et c'était la fin des boosters. Donc ça sera la dernière vidéo sur cette promo McDo. Et je vais vous ouvrir dans cette vidéo donc ces 4 derniers boosters que j'ai récupérés. J'ai enlevé, j'ai laissé sur le tapis de jeu, j'ai laissé que les cartes holographiques différentes que j'ai pu récupérer. J'en ai 16 sur les 25. Donc je vais espérer, parce que j'ai eu la chance d'avoir toutes les 25 cartes normales différentes. Et puis j'ai 16 cartes sur 25 en holographique. Donc je vais ouvrir ces 4 derniers boosters pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis éventuellement avoir un peu la chance d'avoir une carte holographique que je n'avais pas. Alors les petits jeux à l'intérieur. Donc il y a à nouveau des autocollants. Et puis aussi... ça je vais l'enlever, et il y a aussi cette carte, cette grande carte, cette image, ok, j'y mets sur le côté, le booster je laisse là, je vais ouvrir les 4 comme ça, puis bon, je vais voir ce qu'il y a. Alors le deuxième, c'est exactement pareil, une image, des autocollants, et puis un booster, hop, que je mets ici. Alors j'ai classé les cartes dans l'ordre des numéros. Petite précision, en partant du 1 là, et ainsi de suite jusqu'à 25. Donc un nouveau booster. Pareil des autocollants. Et, donc là c'est la dernière vague, et c'est le même... il y a eu donc des vagues avec des decks, des vagues avec des boîtes pour faire des decks, pardon. Il y a eu aussi les petits cadres pour mettre des cartes à l'intérieur comme des photos, c'est super sympa ça. J'avais déjà eu les autocollants, voilà. Et puis, voilà, il ne reste plus qu'à ouvrir ces derniers boosters, les amis, de cette promo McDo 2021. À titre de comparaison, les autres promos McDo qui étaient sorties les années précédentes n'avaient pas 25 cartes, il y en avait un peu moins. C'était un peu différent, il y avait peut-être aussi des énergies. Je suis un peu étonné qu'on ait que du vert, du rouge, du bleu et une carte jaune électrique. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Les derniers boosters de cette promo. Alors, c'est parti. En premier, on a Arco. La numéro 3. La 17, Carapuce. Poussifeu, la numéro 11. Et en version holographique. Allez, 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 allez là. La 21, Moustillon. Eh ben, je l'avais déjà. Pas de bol. Pas de bol, je l'avais déjà. Bon, bah, j'ai une chance sur 3 puisque j'en ai 16 sur 25. C'est pas grave. Allez, deuxième booster. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je fais régulièrement des ouvertures de cartes, des tutos aussi et des vidéos sur des jeux en ligne. Allez, Wistempo. Fennec, la numéro 14. Poussifeu, la 11. Et allez, c'est une quoi? C'est une rouge. Alors les rouges, j'en ai que 4. 4 sur, je sais pas combien il y en a. De 9 à 16, donc 4 sur 8. Une sur 2. Allez, une chance sur 2. Allez, hop là, numéro 10. Je l'ai déjà, Hérissandre. J'avais une chance sur 2, là, cette fois. Oh, j'ai pas de bol. Pas de bol du tout. Oui, puis pour terminer, comme j'expliquais, je fais des vidéos que je mets en ligne quasiment tous les jours, et puis surtout je fais beaucoup d'ouvertures Pokémon, magique, ça peut aider chacun à savoir de quoi sont composés les articles, si vous souhaitez acheter ou non. J'essaye de donner des conseils suivant ce que j'ai ouvert, parce que j'ouvre souvent des choses en direct comme des lots de cartes mystères. Ah, Pikachu, celle-là je sais pas, le fait que ça soit la seule carte électrique, je sais pas ce que ça vaudra après. Germignon, je sais pas s'il y a un terme de rareté ou pas là-dedans. Whistikram, la numéro 12. Et la 16, Flambino.
Et ben je l'ai déjà aussi. Hop. Oh là là, pas de bol. Ah, je suis déçu, c'est pas de bol. Là, je viens d'en piocher 3 que j'ai déjà. Bah, surtout sur les rouges, là, 2 fois de suite, j'ai une chance sur 2 de ne pas l'avoir. Et puis, bah, malheureusement, bah, 3 cartes que j'avais déjà. Bon. Ouais, allez, continue, hein. On va espérer. Plus les rouges, c'est là où j'en ai le moins. Donc, c'est quand même pas de bol. Hein. Parce que autant des bleus sur les 8, j'en ai quand même 6. Et des verts, j'en ai 5. Allez, le dernier booster, Tiplouf. La numéro 20. L'Arméléon, la numéro 24. Poussifeu, la 11. Et alors, c'est une quoi? C'est une quoi? C'est une bleue. Alors, une bleue, il me manque la 20 et la 22. Parce que sinon, j'ai toutes les autres. Allez, la 20 ou la 22. C'est la combien? Tac, la 17, Carapuce, je l'ai déjà. Pas de bol! Oh là là! Bon, bah, les 4, je les avais déjà, les amis, ça change rien. J'en ai eu donc 16. Sur les 25. Alors je sais plus combien j'ai ouvert de boosters, j'avais dit dans une des précédentes vidéos, là j'en ai 4 de plus de boosters. À mon avis, j'en ai ouvert un peu plus de 30. Je dirais 35 à 40 boosters, il me semble. Tout au long des 4 vidéos. Donc c'est la quatrième vidéo. Et malheureusement, ce sera la dernière, les amis, parce que c'est fini cette promo McDo 2021. Et je pense que vu que ça a bien marché, à mon avis, on peut s'attendre l'année prochaine à avoir une promo McDo 2022. J'en suis quasiment sûr. Voilà, écoutez les amis, c'est pas grave, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.